Je m'appelle Thomas et j'ai 12 ans. Je vais vous raconter une partie de mon histoire. Excusez-moi, est-ce que vous savez où les 5e 2 se rangent, s'il vous plaît? Ah, t'es nouveau? C'était ma toute première entrée ici. Ok, viens, je te montre. Dès la première journée, les ennuis ont commencé. Je ne sais pas si vous avez vu, mais on accueille un nouvel élève, Thomas, donc je vous le présente. Je compte sur vous pour l'accueillir correctement et notamment les délégués pour faire un accompagnement comme il se doit. Excusez-moi madame, là vous êtes trompée de classe en fait. L'école primaire, c'est à côté. Ah, j'en attendais pas moins de vous les garçons. Les jours suivants, cela n'a fait que s'empirer. Allez, sortez vos cahiers, on va travailler sur la Première Guerre mondiale. Les semaines passaient et les moqueries s'accumulaient. Ils m'ont volé un bonnet que l'on m'avait offert. Ils ne me l'ont jamais rendu. Une autre fois, c'est tout mon sac que j'ai dû ramasser. Et ce jour-là, personne ne m'a adressé la parole de la journée. Je me suis sentie comme abandonnée. Les semaines suivantes, tous participaient à un concours de celui qui me fera la plus mauvaise blague. Ils se notaient entre eux. Même en classe, je ne pouvais plus travailler tranquille. Dans la cour, j'étais souvent tout seul. Et le pire, c'est que tout le monde a cru que c'était qu'une bagarre.
qui s'est passé? Mais vous rigolez ou quoi? Vous battez dans mon collège? C'est pour ça que vous venez au collège? Et ça vous fait rire en plus? N'importe quoi! C'est pas possible! C'est pas possible! C'était mon quotidien au collège. Et ça continuait même le soir. J'étais tellement seule que je ne voyais plus qu'une seule issue. Heureusement, tout ne s'est pas vraiment passé comme ça. Viens avec nous, on va à la salle des sentinelles. Bonjour, entrez, je crois que vous n'êtes pas venu seul. Non. Allez, installez-vous. Non. Alors, les filles, Thomas, dites-moi, qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui? En fait, depuis que je suis arrivée dans ce collège, je me fais harceler. Et du coup, je suis venue ici pour qu'on me donne des idées, pour que qu'on arrête de harceler. Tu as bien fait. Voilà Thomas, j'espère que ça t'a fait vraiment du bien de discuter avec nous. Et puis comme tu peux voir, avec toutes les autres sentinelles, on est un groupe. On est prêt à t'aider s'il le faut à chaque fois qu'il y a un élève qui viendra t'embêter, dès que ça doit se reproduire. Tu sais que tu peux venir discuter avec nous. Et puis si jamais tu reçois des messages sur ton portable, n'oublie pas que tu as l'application 3018 pour pouvoir stocker tous les messages et après on verra ce qu'on peut faire derrière.